Salut tout le monde, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Cities XL 2012. Et oui, vous l'attendiez depuis longtemps. Moi aussi d'ailleurs je voulais la tourner mais faut savoir que je l'ai déjà tournée une première fois seulement. Le logiciel de capture vidéo a complètement bugué, ce qui a eu pour effet de... Bah en fait, si vous voulez, j'avais complètement fini d'enregistrer la vidéo. J'appuie sur la touche pour arrêter l'enregistrement et là, ta catastrophe, l'enregistrement a bugué, mon ordi a complètement bugué quoi, j'ai dû le reset et résultat ça a même pas sauvegardé la vidéo, enfin le fichier était corrompu, résultat bah voilà j'avais rien et j'étais super content. Résultat bah ça m'a un peu dégoûté donc j'ai attendu un peu avant de refaire la vidéo, mais ça tombe bien puisque j'avais commencé donc une ville, parce que oui on va commencer une nouvelle ville dans cette vidéo, mais maintenant j'ai une autre idée, enfin j'ai une idée un peu mieux on va dire, un peu plus aboutie, et donc on va tout de suite choisir une carte, et j'avais pensé à une carte désertique, donc alors faut que je la retrouve, voilà c'est le Far West. Donc sur le Far West, ce qui est bien, c'est qu'on a 90% de surface exploitable, donc il n'y a que 30% de difficulté, et puis on a à peu près toutes les ressources, à part les vacances, mais ça on verra après. C'est pas très grave. Donc c'est parti, je l'avais appelé Out Town, voilà, puisque c'est dans le Far West, hein, voilà. Donc c'est parti les routes américaines, ok. Et donc aujourd'hui, on va faire une ville un petit peu, enfin pas spéciale, mais différente de d'habitude. Puisque oui, j'ai regardé un tuto, on va pouvoir faire une ville, oula, petit chargement, on va pouvoir faire une ville, tac, on met pause, une ville circulaire, enfin je veux dire un quartier central circulaire, voyez, attendez, je vous montre la carte en entier, voilà, donc on voit qu'il y a un massif rocheux en plein milieu. Mais il y a plusieurs niveaux. Donc c'est à dire que ici on a une espèce de vallée qu'on va pouvoir complètement urbaniser. Ce sera le centre on va dire le centre des activités de cette grande ville. Et ici on va pouvoir faire une ville à plusieurs niveaux. Ça va être très 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 sympa. Je mettrai les quartiers riches, je ferai des jolies de magnifiques choses, vous allez voir ça va être splendide. Ici pareil on a une autre sorte de vallée, un plateau en hauteur ici. Enfin il y a vraiment 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 de quoi faire. Et donc je voulais faire mon cercle géant ici en plein centre et vous allez voir que j'ai suivi un tuto comme ça, ça vous permettra de pouvoir le reproduire hein, si jamais vous avez envie. Et donc c'est parti. Je voulais vous parler aussi d'autre chose, vous allez voir, deux petites secondes. Hop, tiens, on va utiliser les routes des mods, tiens, ça va être, c'est une bonne idée ça. Vous voyez, puisque là on a les routes donc des mods, vous voyez ici, tac tac tac. Il y a plusieurs, il y a les routes foncées ou claires. Et donc, moi, je pensais prendre les routes claires, pourquoi pas. Alors, par contre, faut que je la retrouve. Alors, ça, c'est qu'une petite avenue. Quoique, il y a celle-là. Bon, écoutez, on va... Non, faut prendre un peu plus... Peut-être celle-là. Ouais, faut prendre un peu plus grand, quoi. On va prendre ça, on va voir ce que ça donne. Ouais. D'accord. Bon, écoutez, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que pour faire un cercle, il nous faut tout d'abord une grosse croix en plein milieu. Donc, on va prendre bah, cette route, écoutez. Hein. On va la faire... Bon, on va la faire là, écoutez. Hop. Mince, je me suis trompé. C'est... Ouais, c'est contrôle. Comment ça? Non, je me suis trompé. Désolé, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Voilà. Donc, voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une croix. Ici, voilà. Parfaitement. En plein milieu. Quoique, attendez. Je regarde. Ouais, c'est parfait. On est en plein milieu. Hop. On fait... par contre, c'est pas droit, là. Attendez, attendez, attendez. C'est droit, ça? Ouais, ça m'a l'air d'être droit. Ok, donc. Par contre, ça va me coûter. Bon, on pourra tricher un petit peu. On pourra se rajouter un peu d'argent si jamais il nous manque vraiment. Donc, pour le cercle, comment on fait? Donc, vous voyez là, vous faites d'abord une croix assez large. Hein, selon la taille que vous voulez faire. Hein. Donc, on va faire un grand cercle. Au pire, on rallongera si c'est pas assez long.
Vous sélectionnez, je précise, faut être en mode expert. Hein. Sinon, vous pourrez pas le faire dès le début. Enfin, ça, c'est pas possible. Donc, vous prenez les travailleurs dans Cité 3. Tac. Voilà. Hop. Vous partez du milieu. Ah non, non. Attendez. Si. Oui, si. Vous faites ça. Donc, tac. Hop. Et vous en faites. Allez, on va dire. Oula. On va pas faire bugger. On va en faire. Allez, 4, ça me semble raisonnable, ça va nous faire un cercle tout à fait honorable. Vous faites ça. Attendez, j'en ai fait 4. 4. Voilà. Vous en faites 4 de chaque côté de la croix. Voilà. Ah oui, par contre, là, ça va être. Ça va pas le faire, ça, par contre. Ah mince. Ça va être un petit problème. Alors, attendez, attendez, attendez. Tac. Non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait un petit problème, mais c'est pas grave. Voilà, tac. Et là, vous faites la même chose. C'est faut juste qu'il faut bien prendre le. Voilà, le milieu. Tac. Voilà. Et donc, ça vous donne ça. Une fois qu'on est ici, vous sélectionnez le bulldozer. Et vous allez tout supprimer. Attendez, on va prendre la mini-zone, voilà. Vous allez tout supprimer. Tac. Ah oui, il faudrait peut-être que j'enlève la pause. Attendez, hop, on va supprimer. Tout supprimer, sauf les deux petits carrés que j'ai laissés, vous allez voir. Tac. Par contre, c'est bizarre, il n'y a pas de... C'est pas grave, ça on verra après. Donc, tout sauf les carrés. Hop, vous voyez, attendez. Sauf ce petit carré ici, là. Vous voyez. On va laisser les routes. Et ce petit carré ici. Que je pointe là. Voilà, vous virez tout. Sauf ça. Bon, on va laisser les routes. Et là, j'ai fait une connerie, je les ai pas laissées. Donc voilà, et vous répétez l'opération. Tac. Bon, on peut supprimer celle-là, c'est pas un problème. Tac, ça on vire. Tac. Tac. Tac, voilà. Toujours, hein, on fait toujours ça comme ça. Tac, on vire ça. Tac. On vire tout ça. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, hop, on va enlever, on va mettre. Vous voyez, on perd déjà de l'argent. Ça nous a coûté bonbon, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire un cercle dès le début. Vous allez voir. Le fric, c'est pas un problème. Attendez, on va juste faire des petites sections. Non, de routes comme ça, il nous faut. Oui, alors, il nous faut des routes comme ceci. Alors, je sais plus lesquelles. Oui, celle-là. Voilà. Faut qu'il y ait ça, hein. Faut qu'il y ait des petites. Tac, voilà, comme ça. Vous faites ça, donc là, vous virez les. Ouais, je me rends compte qu'en fait, je suis débile, j'aurais dû faire directement, ça aurait été vachement plus simple. Hop, ça aurait été vachement plus simple. Tac. Voilà, on vire tout. Et on prend les grosses avenues. Voilà, qui sont ici. Et vous faites ça, voilà, ici, là. Tac. Alors, faut que ça rentre, hein. Tac, voilà, vous faites des petits. Comme ceci. Alors, je sais pas si c'est totalement droit, mais. Voilà. J'espère que c'est droit, hein, parce que sinon. Non. Voilà, faut bien faire au centre. Sinon, je ne sais pas si ça marche, mais je crois pas. Tac. Tac. Alors, j'espère que ça va marcher. Hein. Si ça marche pas, j'aurais l'air bien con. Tac, tac, tac. Normalement, il y aurait. Non, ça c'est pas bien placé. Non, lui.
Voilà, et il nous en manque deux, il me semble, ouais. Bon, j'ai fait ta tête un peu grande, la croix, mais c'est pas un problème. Voilà, vous faites ça. Non, là, c'est pas bien placé. Voilà, et le dernier. Nickel. Non, c'est pas bien. Non. Voilà. Nickel. Et donc là, vous pouvez virer tout simplement les carrés, tac, d'habitation. On va mettre. Voilà. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, vous prenez les avenues et vous allez faire une. Alors, on prend bien le centre. Alors là, qu'est-ce qu'ils font insuffisant, mince. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, vous allez dans le menu options, triche, mettre le budget à. Voilà, continuer. Voilà, et là, normalement. Ça nous a mis le budget. Enfin, faut le mettre le jeu. Faut mettre le jeu. Voyez, là, ça marche. Donc là, vous faites une diagonale. Hein, bon, bref, on s'en fout. Vous la faites aussi longue que vous pouvez. Hop, vous prenez toujours bien hop, le milieu. Mince, il faut que je me déplace. Tac. Hop, voilà, vous prenez bien. Tac, voilà, et là normalement. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas pour la dernière? Ah oh non, me dites pas que. Oh là là, non. Non. Ceci n'est pas pensable. Je ne comprends pas pourquoi il y a un problème avec la route. Alors là, je ne comprends absolument pas ce qui se passe, les amis. Alors là, vous voyez, ça ne veut pas. Alors là, je ne comprends pas pourquoi. Là, ça me dépasse. Et si on prend celle-là? Non. Il veut pas. Il veut pas. Bon, attendez. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ah oui, c'est que j'ai oublié d'enlever ça. Tac, on va enlever ça. Peut-être que là ça va marcher. Voilà, on prend la route. Non, il veut pas. Hein. Il veut pas le coco, il veut pas. Ce qui fait que je suis obligé de. Ouais, ça va pas faire un cercle parfait à mon avis. Hein. Ça me met bien dans l'embarras, ça. Bah écoutez, on va faire comme on peut, hein. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Ah bah merde. Voilà, premier fail, premier ouais fail. Donc voilà, vous êtes ici et maintenant, vous allez faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Non, attendez, je me suis gouré de sens. 1, 2, 3, 4. Attendez, attendez. Ouais, mais voilà. Ouais. Comme cette route. Ah, ça m'énerve. Cette route n'est pas droite. Non, ça va pas aller, cette route n'est pas droite. Ah là 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 là, décidément. Je suis pas gâté. Fallait qu'il y ait un pépin. Ah bah voilà, là ça marche. Là par contre ça marche. Ok, bon. Espérons que ça tienne jusqu'au bout. Voilà, donc là, à partir de là. 4. 1, 2, 3, 4, ouais c'est bon. Et là, 1, 2, 3, 4. Ok, voilà. Donc c'est bon. Ah non, j'ai encore fait la boulette.
Ah bon, bah tant pis. J'ai oublié de mettre des grosses avenues. Bon, c'est pas grave. Donc, vous faites toujours comme. Comme on a dit. Attaque. Vous supprimez. Vous ne supprimez pas les deux carreaux qui sont ici, là. Voilà. Tac, ça vous pouvez virer. Bon, par contre, mon budget va en prendre un sacré coup. Mais bon, ça, c'est pas. C'est qu'un détail, hein, on est Crésus. C'est pour vous montrer le fric, c'est pas un problème. C'est juste pour le début. Tac. On trichera plus après, bien sûr. Ne vous en faites pas. Hop, voilà. Alors là, on se gourre pas. Voilà. Bon, ça, c'est pas super intéressant, je m'en excuse. Hein. Tac. Tac, j'espère que j'ai pas fait de conneries, sinon. Bon voilà, là on va mettre play. Voilà, ok. Bon, une fois que vous êtes là, et ben vous allez faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire vous enlevez ça, vous enlevez ces bouts de route. En fait, j'aurais dû les supprimer parce que ça sert à rien. C'est complètement con. De les avoir laissés. N'oubliez pas, c'est avec les travailleurs dans Cité 3, hein, surtout. Parce qu'ils n'ont pas la même taille, les terrains n'ont pas la même taille que les plus petits. Donc c'est plutôt important de les faire. Donc voilà. Schmutch, schmutch, schmutch. Voilà, ici, bah, vous faites la même chose que tout à l'heure. Par contre, j'espère que sincèrement ça va marcher. Sinon, là, bah, je m'en voudrais quoi. Je m'en voudrais puisque deux vidéos de rat... Ah mince, ça c'est pas droit par contre. Je crois que j'ai fait... Allô ? Je crois que j'ai fait une connerie ici. Bon, on va la faire comme ça, écoutez. Enfin voilà quoi, hein, je vous dis, je vous cache pas que ça me ferait bien chier. Tac. Non, on essaie de faire le plus près possible, hein. C'est très très important. Non, je déconne, en fait j'en sais rien. Mais à mon avis ça doit l'être. Non, vous voyez là, on essaye que ce soit le plus... Non, vous voyez là, c'est pas le... Voilà, là c'est le plus... Vous essayez que ce soit le plus collé au carré, au terrain. Parce qu'après... Vous voyez là, c'est pas complètement... Ah, là par contre... Voilà, là c'était le carré parfait. Par contre, j'espère sincèrement que ça va marcher. Alors, j'ai pris ce tuto sur... Génération City, je crois que ça s'appelle. Enfin, il est dans la description. Ou au pire, vous tapez sur Google. Hein, vous mettez tuto cercle CitiesXL, c'est ce que j'ai tapé, moi. Et vous trouverez ce tuto, normalement. Je sais plus... Le combien tième c'est, mais voilà. Ok, une fois que vous en êtes là, vous supprimez. Et on va pouvoir passer. Tac. Hop. Voilà. Une fois que vous êtes là, bah vous reliez. En espérant que tout marche et que tout s'assemble. J'ai l'impression déjà que ça va pas le faire. Bon, déjà, ça m'a l'air pas mal. Ok, bon, ça commence déjà à le faire, là. Ça me plaît, là. Oh oui, les amis, ça le fait, ça le fait. On est des ouf, on est des ouf. Putain, je stressais comme un malade, là. Vous pouviez pas savoir. Mais je sens qu'il va y avoir un guac, un truc, là. Hein. C'est pas possible, là. Ça marche trop bien. Ah, ben non, c'est... Cette technique fonctionne vraiment bien. Vous voyez, on fait un cercle parfait. Hein. Vous voyez, c'est splendide. Moi, j'aime beaucoup. Bon, par contre, pour éviter le problème, on va pas remettre les routes ici, à mon avis. Enfin, si ça marche, mais voilà. Donc, vous avez fait le grand cercle. Après, si vous voulez, bah, vous pouvez rester comme ça. Hein. Mais moi, j'ai envie de faire un cercle intérieur aussi. Donc voilà, hein. Puisque ce tuto est fait. Enfin. Cette technique est faite
on va dire là, de la manière dont je l'ai faite, est faite pour faire un deuxième cercle. Vous voyez comment c'est beau? Oh là là, ça marche. J'en reviens pas, ça fonctionne. Ouais, vous avez la preuve vivante que le tuto marche. Oh là là, sérieusement. Donc, une fois qu'on en est là, on va essayer de remettre... Vous voyez? Ah si, ça fonctionne. Ah, espace insuffisant. Et voilà. Bon, finalement, on a réussi. Bah, au pire, on pourra l'enlever, hein. Quand je pense que c'est ce que je vais faire, ouais. Vous voyez la route ici, je vais l'enlever, ouais, c'est pas... Ouais, quoique... Si, ouais, on va l'enlever. Pour avoir des... Tac. Vous voyez, c'est pas beau, ça? Et voilà, on a un magnifique cercle qui sera le quartier central de notre ville. Et on pourra, bien sûr, en refaire autant qu'on veut. Enfin, autant qu'on veut... De plus petite taille, bien sûr. Pas tous de cette taille-là, parce que ça fait un peu grand, quand même. Voilà, et là... Fond insuffisant. Bon, allez, les amis, hein, on va pas faire les... On va se donner... Triche. Voilà, mettre le... Tac. Continuer. Voilà, hein. On va pas faire les... C'est bon, hein. On peut prendre 500 000, on s'en fout, c'est pas un problème. De toute façon, je fais ce que je veux, et puis voilà, hein, flûte et reflûte. Voilà, c'est bon, nickel. Et on va pouvoir s'attaquer à notre, bah, notre ville, les amis. On va la relier ici aussi, vous voyez. Tac. On va la relier, bah, on va la relier comme ça. Hein. Non, attendez, on va la relier en arrondi, ça pourrait être joli. C'est pas beau ça? Hein? Hein? C'est pas beau? C'est pas beau? C'est pas magnifique? Et le quartier central, on va pouvoir l'aménager. Pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, décoration, c'est mettre de l'herbe. Alors par contre. Bon, on va peut-être pas le faire maintenant parce que ça risque d'être chiant là. À l'allure où ça prend. Ouais, c'est un peu galère pour poser des trucs ici, non? Ah, ça m'a pas l'air très optimisé cette pose d'herbe. Bon, on va virer ça, tant pis, hein. On le fera après. On va laisser ça comme ça pour l'instant et on va pouvoir tout de suite développer notre ville. Ah, par contre, je dis pas que cette mer ne va pas s'enlever, hein. Voilà. Ok, bon. Je voulais... Oula, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Donc, on est à combien? Bon, c'est bon, il nous reste le temps. Je voulais vous parler d'autre chose aussi que à chaque fois, j'oublie de vous parler dans les autres épisodes sur CitiesXL. Donc, on va en parler maintenant. Donc, tout d'abord, on va aller dans ce menu pack. Vous voyez, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais avec CitiesXL 2012, on va mettre en pause... On a la possibilité de prendre des bâtiments de différentes civilisations, de décorer un peu, de donner une personnalité à votre à nos villes grâce à des ajouts qui sont plutôt sympas. Vous voyez, par exemple, là, je suis sur le menu Amérique et on a résidence. Donc là, on peut construire. On a toute une gamme de maisons qui vont sur l'eau. Donc on pourra construire, par exemple, sur si on a une plage, des quartiers de maisons sur pilotis comme ça. Ça pourrait être un sympa, vous avez les bâtiments, donc ça c'est toujours sur pilotis, le sol, vous voyez, toujours des pontons et tout, on va pouvoir faire des trucs vraiment sympas. Pareil, là pour l'Europe, vous avez des bâtiments médiévaux, on va pouvoir faire des villages médiévaux, hein, dans les montagnes ou ce genre de trucs, ça peut être très sympa. Vous avez l'Asie, et moi, ce que je compte faire, c'est un quartier chinois dans cette ville, je sais pas pourquoi, ou un quartier, enfin oui voilà, un quartier chinois, enfin un quartier différent quoi. Et donc chinois, je trouvais que ça allait plutôt pas mal. Vous voyez, on a plein de bâtiments, ce qui peut être très sympa. Plage, bon voilà, on a des bâtiments de plage aussi, mais ça on fera quand on aura une île paradisiaque. Et donc, vous voyez, on a ça aussi, des jeux, on a plein de choses. Hein. Les modes rajoutent vraiment pas mal de trucs, c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup, sincèrement, je trouve ça très bien fait. Vous voyez, ici on a plein de choses. Et je voulais vous parler d'autre chose aussi. Vous voyez, on a la case blueprint. Alors, qu'est-ce que c'est les blueprints? Donc là on n'a rien. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Attendez. je me souviens plus si c'est là-dedans ou pas.
semble que oui, normalement. Blueprint. Ouh là là! Attendez, attendez, attendez. Il y a un petit souci, là. Alors, normalement... attendez. Ah non, c'est parce que je me suis trompé. Non, non, je me suis pas trompé. Petit souci. Ah, c'est peut-être parce que je suis en pause. Ah non. Ah d'accord. Non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Vous savez sûrement pas de quoi je veux parler, mais bon, vous allez le savoir bientôt. Donc, on va d'abord commencer à développer notre ville et je reviendrai sur les parcs, peut-être dans le. Enfin, sur les parcs, qu'est-ce que je raconte? Sur ce dont je voulais vous parler, les blueprints. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le prochain épisode, sûrement. Donc, on va d'abord placer notre mairie de la ville de Hot Town, qui sera placée. Ici, ça me semble bien à l'arrivée. Voilà. Ou alors ici. Ah, pas con, je peux la mettre ici aussi. Non, je vais la foutre là. En plein milieu. Voilà, j'ai décidé. Tac ! Voilà, ça c'est fait. Et donc, va falloir vite venir des habitants, puisque là, je commence à perdre un petit peu d'argent. Enfin, je commence à perdre pas mal d'argent. Donc, va falloir établir une zone industrielle aussi. Faut savoir que là, il y a le mode où toutes les ressources sont activées sur toutes les cartes. Donc, voilà, bon. Ça nous permet de faire des choses. Donc ici je pensais faire un plateau agricole. Vous voyez des tac comme ça là, une belle zone. Que avec de l'agriculture. Enfin ça pourrait être sympa. Et là une zone industrielle, pseudo-industrielle avec de l'industrie tech et tout ça. Bon juste pour le début. Juste histoire de se faire un peu d'argent. Par contre les routes ici, va falloir que je les termine. Ouais bon, on va voir ça. Donc on n'aura pas fait grand chose dans cet épisode, j'aurais pas développé notre ville, on aura juste fait ce magnifique cercle qui est, ma foi, très bien fait je trouve, hein. Forcément, c'est moi qui l'ai fait, hein. De toute façon, non je rigole. Donc on va faire ça à l'entrée de la ville, écoutez. Hein. Voilà. Alors par contre, je voulais faire un truc un peu à l'américaine en carré, je pense que, je suppose que, ouais, peut-être c'est ce qu'on va faire. Mais bon. Peut-être là, ça va être un peu compliqué. Je sais pas comment on va se débrouiller. Personnellement, je sais pas. Bon, je pense que là, vu le temps de la vidéo, bon, on va juste établir les plans. Bon, je sais qu'il y aura vraiment pas grand-chose dans cet épisode. Je m'en excuse, hein, mais bon. Au moins, je vous aurais appris à faire un cercle, hein, si jamais vous saviez pas. Donc, je pense que, donc ici, sur le, aux alentours, enfin, je veux dire, sur ce cercle-là, le, ici, là, vous voyez, je pense que là, on mettra les bureaux, donc les grands buildings de bureaux, et au centre, on mettra des buildings monuments, ou alors des habitations d'élite, enfin, on va voir. Tout autour, on aura tous les grands buildings de managers. Et là, par exemple, on pourra mettre donc, les classes moyennes, c'est-à-dire les travailleurs qualifiés et les travailleurs. Donc, soit avec les hautes densités, soit densité 2. Ou alors faible densité, ça pourrait être sympa aussi. Ici, on mettra une petite zone industrielle. Là, agriculture. On essaiera de faire des tunnels aussi. Il me semble qu'on peut faire des tunnels pour passer sous ce massif rocheux. Ce serait plutôt sympa. Là, une deuxième vallée où on va pouvoir... On fera, ouais, une espèce de... Oh, on pourrait faire un technopole, ici. Ouais, ici, ce sera la zone... industrie high-tech. Et là, on va faire tout ce qui est habitat de riches, on va dire, vous voyez, avec des routes, enfin, un truc super joli, avec des maisons de managers, avec des piscines, enfin, tout le tralala, vous allez voir, ça va être super classe. Et on fera une autoroute aérienne qui passera, enfin, on va essayer de faire des trucs plutôt sympas. Voilà à peu près les projets que j'ai. Bon, j'espère que je vais pouvoir les réaliser. Sinon, ce sera un petit peu bête. Enfin, voilà, je pense. Hein. Et vous voyez, ce cercle est quand même magnifique. Hein. Je le trouve vraiment... C'est vraiment cool. Hein. Puisqu'on ne peut pas en faire pas comme dans SimCity. Hein. Enfin, bref. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un j'aime, un petit commentaire. Et puis, bien sûr, partagez la vidéo si vous avez vraiment aimé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un...
Nouvel épisode de Cities XL 2012. Oh yeah, portez-vous bien, à la prochaine.